m'appelle Ed Piragnola et je suis agent de la réserve naturelle depuis un mois à Crozet. Et j'étudie la flore, à la fois native et introduite. J'ai une mission qui est à deux entrées, à la fois améliorer la connaissance sur les espèces natives et également essayer de gérer l'extension des espèces introduites et de limiter leurs impacts sur le district. Alors, il va y avoir à la fois, en termes d'amélioration des connaissances des espèces natives, un gros protocole qui a été lancé en 2012, qui s'appelle le protocole Atlas. Et en fait, le principe, il est simple. On a divisé toute l'île en mailles de 500 mètres de côté. Et l'idée, c'est d'inventorier dans ces mailles-là toutes les espèces végétales présentes. Et d'un autre côté, on a les espèces végétales introduites. On estime à 57 le nombre d'espèces introduites et à 17 le nombre d'espèces natives. Dans les espèces envahissantes, il y a environ une dizaine d'espèces qu'on retrouve sur toute l'île et qui vont prendre le dessus sur les espèces natives et modifier complètement les habitats sur le district. Donc l'idée, c'est de choisir les espèces sur lesquelles on va lutter. Alors en lutte, on utilise la méthode d'arrachage mécanique, toute bête. C'est la plus commode et la plus utilisée. Également de la lutte thermique. On a un chalumeau et pour toutes les plantes qui rampent sur le sol, qui forment des gros patchs, on va plutôt utiliser le chalumeau ou alors un bâchage. Il y a plus de 200 stations d'éradication sur lesquelles on passe souvent, régulièrement, afin de contrôler s'il n'y a pas eu de repousse. Et en cas de détection de nouvelles repousses, on effectue la méthode d'éradication choisie pour l'espèce en question. Donc voilà, ma mission, c'est vraiment le suivi de ces deux protocoles-là. Donc du côté de baies américaines, nous avons vu plusieurs espèces natives, notamment les espèces qui sont cantonnées au littoral et dans les zones humides. On a retrouvé par exemple la Senna, qui est très présente avec sa fructification rouge, avec sa hampe assez caractéristique. Les azorelles, qui poussent en coussin, qui sont l'espèce emblématique des australes. Aussi le black gnome, la petite fougère native de Crozet, et l'emblématique chou de Kerguelen, dont le nom laisse à penser qu'on ne le retrouve qu'à Kerguelen, mais c'est bien une espèce assez répandue dans les australes. L'Eptinella plumosa, qui, comme son nom l'indique, a des petites plumes de manière à mieux garder l'eau issue de la rosée.